Salut les amis et bienvenue pour un nouvel épisode dans la vie de Julien, notre ami GG qui est actuellement en train de prendre son petit déjeuner juste après avoir manqué entre guillemets le boulot puisqu'il était trop occupé à dormir pour ça. Donc pendant qu'il termine son bol de céréales, je vais pouvoir vous parler de quelques petits trucs hein, puisque je lis les commentaires évidemment des épisodes que je publie. Et donc il y a eu pas mal de suggestions, enfin pas mal, j'exagère un petit peu en fait, c'est quelques suggestions quant à la vie de notre cher GG, quant à ce qu'il devrait acheter, ce qu'il devrait faire. Et donc j'ai eu quelques suggestions qui étaient intéressantes, par exemple adopter plusieurs animaux, c'est vrai que ce serait pas mal de faire de cette maison une véritable petite animalerie vu qu'il y a beaucoup de place dans ce qui est la niche de Détroit, enfin dans ce qui est maintenant c'est l'espace animaux parce que vu qu'on a un nouvel arrivant en la personne de Maboule, c'est vrai que ce serait intéressant. Une autre suggestion que je viens de lire il y a quelques instants, c'était s'acheter une voiture. Pourquoi pas? Alors il n'y a peut-être pas la place ici. Alors peut-être par là, peut-être. Il y a peut-être de quoi faire. Donc oui, donc tout ça, d'accord. Mais Gilles va devoir mériter eh bien ces choses-là. Il va devoir travailler pour bien s'acheter ces choses-là pour gagner de l'argent, pouvoir voilà justement se faire se récompenser avec justement d'autres amis à aimer et une voiture à chouchouter. Mais comme il vient de manquer le boulot aujourd'hui, c'est plutôt mal parti. Donc pour aujourd'hui, j'ai pas prévu grand-chose dans cet épisode, hein. On va essayer d'être à peu près normal. Alors cette fois, on va rappeler un réparateur parce que je ne sais pas ce qu'il s'est passé la dernière fois. Le réparateur a dit qu'il viendrait, il n'est pas venu, sans doute à cause de la neige. Donc on a des trois qui sent mauvais. Ouais, bah tu peux rien dire toi, hein. Ça t'est déjà arrivé de sentir comme ça. Alors, bon vol, félicité pour être dans le panier, le petit Maboule. Allez, c'est un petit chaton et on n'est pas encore super pote avec lui. Il faut bien, bien tout petit, être très gentil avec lui, être affectueux, tout ça, comme ça, il sera tout mignon, tout plein avec nous. Il sera bien éduqué. Allez, un petit câlin pour le minou. Oh, mais là, va je bobo. Oh, you. Gilles qui est tout attendri. On recommence. Tout attendri par cette petite boule de poils. C'est Mimi. Allez, pose-le par terre. Faut cliquer sur le chat, d'accord. Poser. Voilà. Je pourrais jouer avec lui, mais j'ai d'autres projets pour Gilles pour l'instant, puisque j'ai un programme très particulier. Je parle de programme télévisé pour notre ami Gilles. Je lui ai préparé un petit truc, une petite émission qu'il verra et que vous verrez aussi d'ailleurs. Mais en attendant, il va aller recycler le journal puisque Gilles eh bien, est quelqu'un d'assez civilisé. Donc, enfin, ouais, en principe, hein, parce que il est quand même un petit peu spécial, hein. Mais il recycle le journal, donc c'est quelqu'un bah, de plutôt normal, faut pas exagérer. Mais respectueux de son environnement, voilà. C'est à peu près ça. Ouais, donc je parlais des animaux et de la voiture. C'est vrai que on pourrait se les offrir facilement avec, eh bien, oula, il y a tout ça comme facture. On pourrait se les offrir facilement avec un petit code triche. Un petit code triche. Mais on l'a fait une fois pour pouvoir faire la fête ici, donc. On va pas trop abuser, hein. On va jouer le jeu. Alors, il a reçu une lettre, apparemment. Ah, il avait fait des photos, je me souvenais pas de ça. Oh, ouais, elles sont jolies les photos. On peut les voir d'ici. Qu'est-ce que c'est? Note, merci pour la soirée. C'était sympa cette soirée, j'ai passé un très bon moment. Et si tu veux recommencer, je dirais oui, évidemment. C'est de qui déjà? C'est de Daphné ou de Charlotte? Peut-être de Charlotte, ouais, je dirais, oui, c'est ça. Ouais, bah oui, parce que c'est avec elle qu'on a eu un rendez-vous récemment, n'est-ce pas? Ah, oui, d'accord, toi t'apportes le journal ici, d'accord. Oui, bah, enfin, pourquoi pas, hein, tu fais ce que tu veux. Hein. Détroit, ah, oui, avant le programme télé, on va appeler le réparateur. Ah, d'accord, ah, c'est maintenant que tu viens, toi. J'allais t'appeler justement, qu'est-ce que tu foutais? Eh purée, ça fait. On les a appelés. On les a appelés. On les a appelés comment? Bon, tu fais quoi, Gilles?
Tu avances, je recule, tu avances, je recule, je recule, tu avances. C'est cool. Ah bah merci, merci Détroit, merci pour le faire juste devant la caméra. Non mais franchement, faut pas te gêner. N'importe quoi. Bon, pendant que Détroit fait n'importe quoi, Gilles va regarder la télé et Arcadia, c'est quoi ce prénom à la con, va réparer donc la baignoire. Et la poubelle est pleine, visiblement. Attention, petit programme spécial. Désolé, j'ai du mal. Petit programme spécial pour Gilles et pour vous. C'est pas sur cette chaîne-là, c'est même sur DVD. Tu vas pouvoir regarder ça. Attention, magie du montage, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bataille de Bombao. La bataille d'aujourd'hui opposera Kev Wrecker à Rudolf Leiter. Lequel finira plus mouillé que l'autre, c'est ce que nous allons découvrir. Messieurs, à l'attaque! Allez. Allez, attention, Kev Wrecker qui esquive une deuxième Bombao. Oh, il se fait toucher cette fois-ci. Et c'est Rudolf qui enchaîne. Kev arrive à esquiver Kev qui va attaquer à son tour. Attention, Rudolf arrive à esquiver. Est-ce que Kev va enchaîner? Non, c'est Rudolf qui touche Kev. Et Kev va-t-il réagir? Attention, les deux s'arment de Bombao. Et Kev est touché, mais Rudolf, lui, a réussi à esquiver le projectile de Kev. Pour l'instant, avantage très sérieux. Rudolf, Kev a enfin touché. Rudolf va-t-il riposter? Attention, les deux en même temps. Et les deux qui esquivent. Magnifique bataille de Bombao de la part des deux Sims. Et c'est Rudolf qui touche encore. Et Kev qui esquive la deuxième bombe de Rudolf. Attention, ouh, Kev qui essaie de surprendre Rudolf, mais Rudolf qui a esquivé. Et ouh, là, là, la bombe à eau dans le bas du ventre. Oh, Kev qui esquive. Attention, peut-il revenir dans la partie? Il s'arme d'une bombe à eau. Rudolf esquive, magnifique. Kev qui veut enchaîner et qui touche. Magnifique, la partie s'équilibre un petit peu et il touche encore deuxième fois de suite. Attention, est-ce qu'il peut enchaîner? Rudolf qui parvient à éviter et qui évite encore. Et Kev qui enchaîne. Et Rudolf qui évite pour la troisième fois consécutive. Attention, les deux en même temps. Et oh, les deux qui esquivent, ils sont chaud, chaud, chaud. Attention, les deux encore avec une bombe, les deux esquivent. Oh, magnifique, magnifique. Attention, les deux encore qui s'arment de bombes. Et les deux qui sont touchés cette fois-ci. Magnifique, très beau lancer de la part des deux. Mais Kev qui enchaîne et qui frappe dans le bas du ventre. Magnifique. Et Rudolf qui... Ouh, attention. Kev qui a encore esquivé. Attention, les deux qui vont lancer une bombe de la même couleur, qui sont toutes les deux rouges. Attention, Kev a pris l'avantage puisque Kev a touché et esquivé la bombe de Rudolf. Rudolf qui jette une bombe magnifique en pleine poitrine de Kev. Kev qui riposte. Et ouh, encore une bombe dans le bas du dos. Et trois bombes consécutives sur Rudolf. Et Rudolf qui essaye de répliquer alors que Kev lançait une bombe au même instant. Les deux ont esquivé. Oh, Kev qui esquive magnifique avec une main à terre. Kev qui esquive encore. Qui esquive encore. Troisième esquive consécutive. C'est à son tour maintenant d'attaquer. Et il touche. Oh, avantage très sérieux à Kev. Et deux fois... deux touchés consécutifs. Rudolf qui esquive la troisième bombe. Kev qui esquive encore. Mais où vont-ils aller? Et c'est terminé. Je pense que l'on peut dire, mes amis, que Kev Wrecker a gagné cette bataille de bombes à eau. Même si le début de la partie était plus en faveur de Rudolf. Alors Gilles, ça t'a plu? Et vous, ça vous a plu? Ah là là, exactement le genre de programme à la con qu'il adore. Bon, bah pendant ce temps-là, la douche a été réparée. On va passer un coup de serpillière. On va ensuite jongler avec des bouteilles dans le frigo. On va sans doute, je pense, nettoyer Détroit parce qu'il a l'air d'être un petit peu sale. Oh. Ah oui, d'accord. Donc Détroit est chasseur de vermine. Il faut qu'il sache. Il faut qu'il sache, pardon. Il faut qu'il sache. Purée, j'ai du mal avec la conjugaison. Il faut... fais gaffe quand tu avales ta salive, Kev. Alors, il faut qu'il donne la papate pour... enfin, qu'il faut qu'il, qu'il sache... oh purée, j'ai du mal. Il faut qu'il sache donner la patte pour pouvoir être promu. Parce que pour l'instant, il n'est que chasseur de vermine. Il pourrait grimper bien plus. Et ouais, il pourrait grimper. Et il pourrait rapporter de l'argent à son maître qui pourrait peut-être s'acheter, adopter d'abord, de nouveaux petits amis et s'acheter peut-être une voiture. Dépêche-toi de passer la serpillière, Gilles. Bon, j'ai un petit peu de mal à parler, je dois vous avouer. C'est juste que le printemps est là et
comme à chaque année, à chaque printemps, eh bien, je m'enrhume. C'est-à-dire que je fais une grosse allergie au pollen, surtout qu'en Bretagne, apparemment, dans mon secteur, on est dans le rouge en ce qui concerne les allergies. Et l'alerte rouge, je l'ai bien senti dans mon nez hier, je peux vous le dire. J'avais le nez qui me piquait toutes les 30 secondes, c'était énervant, fait tout le temps que je me mouche. J'ai pas compté les mouchoirs que j'ai utilisés pendant cette journée, mais je peux vous dire que c'était bien casse-pied. Donc je vérifie les niveaux sonores pour m'assurer que c'était bon, parce que bon, si le son du jeu est trop fort par rapport au son de ma voix, c'est pas bien, et si le son du jeu est trop bas par rapport au son de ma voix, c'est pas bien non plus. J'aurais dû les vérifier avant le début de la vidéo, mais j'ai un petit peu oublié. Heureusement pour moi que c'était déjà au bon niveau. Ça aurait été con de devoir recommencer l'épisode. Donc maintenant que tu as bien jonglé, sois responsable, sois un maître responsable, et enseigne-lui... Non, d'abord, va le laver, et après tu lui enseigneras un ordre. On va accélérer un petit peu parce que c'est pas le premier bain qu'on lui fait prendre. Allez, viens là, ramène-toi. Hop, le petit bain en vitesse accélérée. Donc Gilles, niveau boulot, c'est pas top, hein, parce qu'il est pas très bien vu par ses patrons vu qu'il a manqué une journée de boulot. Voilà, on le lave. Et ensuite, mince, je peux pas déjà prévoir la prochaine action. Alors, félicité pour prendre un bain sans heurts. Reviens là. Enseigner un ordre. Donne la patte. Là, ça va prendre un petit peu de temps, donc je vais garder ça en vitesse accélérée. Enseigner un ordre. Donne la patte. Enseigner un ordre. Donne la patte. Voilà. Merci. Alors, on va observer tout ça. Aussi bien le toto. Allez, on va suivre ce cours de Donne la papate, donné par GG à son petit Détroit. Ça, c'est pour ta carrière, Détroit. Tu vas pouvoir monter en grade. Tu te rends compte? Ah, c'est cool. Meute et maître, d'accord. Ok. Bon, on va accélérer un petit peu. Voilà, donc les besoins de Gilles, ça va, ça peut aller. Il a juste un petit peu faim, il a juste un petit peu envie d'aller aux toilettes, il a juste un petit peu envie de se doucher, enfin besoin de se doucher. Mais ça, c'est pas très grave, ça peut se rattraper rapidement. Ce serait bien qu'il ait une journée de boulot. Ah bah demain, il bosse pas, c'est cool. Ah par contre non, c'est aujourd'hui qu'il bosse, oui il bosse de 22h à 3h, donc faudra peut-être écourter la journée, genre aller se coucher, parce que si tu bosses à 22h mon gars, là tu vas pas faire la fête ce soir, hein. Donc c'est un épisode un petit peu plus tranquille que les autres, mais il en faut bien. Allez dépêche-toi Gilles, dépêche-toi, t'as plus qu'une heure, allez Gilles, vas-y, tu peux le faire, je crois en toi, vas-y Gilles, vas-y, et vous derrière vos écrans, encouragez-le, allez vas-y, allez, plus que 20 minutes, vas-y tu peux le faire, vas-y Détroit, t'es un bon chien, vas-y. Tout ça pour apprendre à son chien à donner la patte, hein. C'est dire si on est bas, hein. Allez, il y a le véhicule, mais c'est pas grave, on a encore un petit peu de temps, allez, c'est bien Détroit, t'as bien appris, allez, oui, c'est bien Détroit, oui. Allez, encore une fois. Allez, Détroit, donne la patte. Après, tu vas au boulot. C'est bien, Détroit, c'est bien. C'est bien. Allez, encore. Bon, allez, c'est bon, là. C'est terminé, il a pris l'ordre. Voilà, magnifique. Magnifique. Superbe. Superbe. Bon boulot, Gilles. Super, excellent, magnifique. T'as pas lavé ton bol. Ah... Ouais, c'est pas possible, mais pareil. Pourquoi? Comment il fait pour plaire aux femmes? Je comprends pas. I don't get it. Alors, je viens de m'apercevoir d'un truc. J'ai allumé mon portable avant de commencer l'enregistrement pour mettre le chrono de mon portable pour savoir à combien de temps j'étais. J'ai oublié de mettre le chrono. Voilà, j'ai allumé le portable, je l'ai posé sur mon bureau et c'est tout. Ouais, il y a le téléphone qui sonne, il me semblait bien... effectivement l'avoir entendu. Donc on va répondre au téléphone. Ensuite on va nettoyer ce bol. On va sortir les poubelles comme un homme à peu près normal. Et après on va manger. Peut-être dormir plutôt.
Parce qu'on peut manger au boulot. Ah! Bon, réponds pas au téléphone, on s'en fout. Bah non, là il va manger, mais je suis con moi, pas possible. Allez hop, accélère un petit peu, voilà, tu laves ton bol. Hop, tu vas bouffer. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, il a mangé ou quoi? Non, il a sommeil, donc va dormir en pyjama. Jusqu'à ce que l'heure du boulot sonne. Allez, t'as encore une demi-heure pour dormir. Voilà. C'est bon. T'as un petit peu faim, c'est pas très grave. Il faut qu'il bosse la mécanique hein, pour avoir la promo. Bon, comme il a manqué une journée de boulot, je pense que le point de mécanique, ça presse pas. Cette fois, soit à l'heure. Et... drôle de tenue, mais c'est normal. Il est caissier de station-service. Et je crois que... oui, il a gardé ses lunettes bleues. Bon, on va les laisser. On va les laisser. C'est très bien comme ça. Oui, il est caissier de station-service. Il a un salaire un petit peu plus élevé que Détroit. Ah, Détroit est fatigué. Ah mince! Mais bon, il aura une promotion. Quand il rentrera, il pourra aller se coucher. Il pourra s'étaler sur son coussin. Il aura bien mérité son repos. Donc lui, il rentre à 1h du mat. Gilles rentre, quant à lui, à 3h. Donc Détroit va bientôt rentrer. Et il va certainement avoir une promotion. Ouais, il est un petit peu fatigué, le chien. J'ai peut-être un petit peu trop poussé sur le « donne la patte hein ». Alors, t'as une promo, Détroit ? Ouais, bien joué ! Vous avez dévoré le marquage à motif étoile pour chat. Ah, ça doit être sur la fourrure, ça, ouais. Détroit a obtenu le poste, une promotion au poste de animal de thérapie. Ah, c'est cool ! Chasser le rat, c'est bon pour les animaux sans ambition. La thérapie individuelle, ça, c'est du travail. Votre animal doit apprendre à venir au pied pour devenir animal d'aveugle. Détroit commencera dès aujourd'hui à travailler de 8h à 15h. Ah bah purée. Détroit a gagné 190 simflouz aujourd'hui et a reçu une prime de 380 simflouz. C'est officiel. Nous avons un sim qui a un salaire plus bas que son chien. Bravo Gilles. Non, non. C'est Détroit qu'il faut féliciter. Détroit est un bon toutou. Mais non, en fait, c'est en très grande partie grâce à Gilles que Détroit a un salaire plus élevé que Gilles. Puisque c'est Gilles hein, qui a enseigné l'ordre, donne la patte à Détroit qui va se reposer puisqu'il doit reprendre le boulot à 8h. Ça va faire des sous-sous à rentrer. Donc nous avons 1069 simflouz. Donc du coup, c'est con, je ne sais pas combien de vidéos je suis pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais retirer le micro 2 secondes juste pour me moucher. Passionnant, n'est-ce pas hein? Non, parce que depuis hier, j'arrête pas, je vous l'ai dit. Bon, là, je me mouche beaucoup moins aujourd'hui, c'est clair, mais bon. J'en ai quand même besoin. Je sais pas si ça s'entend à ma voix, que j'ai le nez plein, mais bon. Alors, Gilles a gagné des sous-sous. Bref, il a touché son salaire. Ah non, mince. Oui, Gilles, plutôt, pour remplir les gamelles, parce que Détroit, il peut pas vraiment la remplir. Il a sommeil, il a mangé au travail. Bah tout va bien, hein. Ça va, tranquille. Tranquille, tranquille. On va peut-être se faire une autre petite journée, puis je pense que... on finira cet épisode un petit peu tranquille, je l'avoue. Mais bon, il faut bien qu'il avance dans sa carrière aussi. Il faut bien qu'il qu'il pense à son travail pour pouvoir bien... je sais pas, pouvoir s'acheter des meubles. Ça serait pas du luxe. Tout à fait, tout à fait, Gilles, tout à fait. Oui, mais j'ai compris en fait ce qu'il disait. J'ai compris ce qu'il disait, il a tout fait au travail. A tout fait. Oula, j'ai besoin de sommeil moi aussi. Allez, ton badja, va dormir. Et après... demain, tu vas devoir bosser la mécanique pour peut-être envisager une promo. Et il faudra prendre soin de toi hein, au maximum. Oh, le pauvre Détroit, il retourne au boulot dans 1h. Ah, ça va, il a eu le temps de dormir quand même.
Donc Détroit, voilà, va peut-être se réveiller. Il va se réveiller, n'est-ce pas, Détroit? Détroit, tu vas te réveiller, dis-moi. Merci, Détroit, tu m'as fait peur pendant un instant. C'est un bon chien, ça. Magnifique, il est super. Le toutou en or. Je dors. Comme pour ceux qui connaissent le dessin animé Les Zinzins de l'espace, Bud quand il dort c'est Je dors. Voilà, c'est Bud quand il ronfle, pour ceux qui connaissent. Personnellement j'adore ce dessin animé. Alors, il y a le téléphone qui sonne, est-ce que je réponds? J'ai pas envie. Ah, il veut embrasser. Inviter un sim pour un rendez-vous, draguer. Monsieur a des ambitions. Alors. Bon, allez. Ça, c'est promis. Ça t'arrivera. Ce sera pour le prochain épisode. On va payer les factures qui sont de 40 sim flouz. On va répondre au téléphone quand même, parce que là, sinon ça va râler. On va recycler le journal. Le journal. Et on va répondre au téléphone. Alors, c'était, je sais pas ce que c'était comme accent, mais c'était vraiment pourri. Hey! Hello! Ah dommage, elle lui plaît pas. Je suis sûr qu'il lui plaît. Ouais, pourquoi pas. Aimeriez-vous sortir en centre-ville? Faut bosser la mécanique, Gilles. Oh, allez, si, allez en centre-ville. Allez en centre-ville et ça fera un bon début pour... Vous avez demandé un taxi? Ouais, monsieur. Et puis finalement, bah, je pense que... Ouais, bah oui, finalement, on sort, donc... On va sortir. Et je pense que ça fera un début idéal pour le prochain épisode. Donc je pense qu'on va se quitter là. C'est un épisode tranquille, mais c'est ce que je voulais faire, histoire de faire des trucs, des tâches un petit peu quotidiennes, pour que Gilles soit au top de sa forme, pour bah, continuer à faire la fête et tout ça. Bah, la preuve, là, il va être bien. Il commence à avoir un petit peu d'argent. Je vais pouvoir peut-être acheter quelques petits trucs. Bon, faudra aussi bosser sa carrière, tout ça. Bah, je sais pas, c'est à toi de choisir, hein. Bah on a qu'à aller dans un resto, je sais pas. On va aller dans un resto. Resto bowling. Allez, chez Elvis. Total presto. Magnifique. Allez. Donc, voilà, ça va être tout pour cet épisode qui était l'épisode 9. On se retrouve bientôt pour l'épisode 10. Prenez soin de vous et à bientôt. On a fini l'épisode sur les toilettes. La grande classe.